Salut à toutes et à tous. C'est bon, je suis en compagnie de Monsieur Nono, voilà, très très grand joueur prometteur de Pitch et Daisy. Merci pour ça. Meilleur pitch de Lille depuis qu'il n'y a plus Gia, il n'y a plus personne, il est parti, Rivka, il a déménagé. Je sais même pas c'est qui. C'était une Daisy qui venait souvent. Bon, vas-y, ça on va faire après, flemme. Ah, c'est VS2, je crois. Ouais, c'est bon. Ouais. C'est bon, c'est parti. AZ Bilbol, le 7-40 et... Est-ce que j'ai besoin de parler? Ah, moi je sais. Le 7-40, bah, vu que. Regarde la gueule du MU, devine qui gagne tout le temps. Ah, je pense que c'est Hazel. Ouais. Genre, il y a, je crois, 14-1, genre. Un bail comme ça, genre. Genre, il l'a battu qu'une seule fois et c'était à une Vegas Weekly. Mais ouais. Okay. Maintenant, il a beaucoup de mal dans. Et je comprends, hein, franchement, Samus. Franchement, ce qu'ils arrivent à jouer contre, je vous admire. Hein, franchement. Ouais, en plus, il y a quand même son reflex, mais je sais pas si c'est utile, tu vois. Ouais, bref, ouais. Bref. Enfin bref, là on est à 65%. Qu'est-ce qu'il y a? On est à 65% côté Hazel. Mais là on peut déjà tuer, hein, côté Karoul. Côté Karoul, on a tenté un fer là qui... On sait pas il touchait où, mais il l'a fait quand même, tu vois. Ouais, mais du coup, pour l'instant, c'est quand même bon. C'est dommage, franchement, ça, ce qu'il a fait là, c'est très mauvais. Non seulement il s'est mis sur la plateforme, mais Karoul, voilà, c'est vraiment. Ok, putain. Ok, il l'a chopé dans les airs et là. Ah, le giga. Et là, ça va être super dur parce que voilà, oui. Karoul, en fait, il souffre de ça, il ne peut rien faire. Voilà, et là, il peut monter jusqu'à 999, tu vois. Et là, un F-Tilt, ça tue, un fer, ça tue, tu vois. Bon, il s'est quand même raté à Z et il a trouvé le kill. C'est trop triste, en fait. C'est beaucoup trop triste. Allez, est-ce qu'il peut combo sur ça? Ouais, faut sur reverse. Non. Après le fer, Samus n'a pas de combo donc ça sert à rien d'air dodge en fait. Oh, dommage! Alors je crois que le fer tuait, malheureusement la boule l'a sauvé, hein, je crois. Attention, il va pareil sur son edge guard, sur les 150%, il a largement de quoi tuer, hein, notre ami Bilbol là, un F-Tilt, un grab. Ouais, bon, ça va se prendre la sauce un peu ici. En désavantage, on souffre. Petit qui ne tuera toujours pas Samus, c'est. C'est quand même lourd, ouais. Je vais rester tranquille. Allez, le command grab ici. Bien joué, belle spot dodge ici. On va continuer à gratter, on va continuer à souffrir là côté Bilbol. Et là, ça y est. Okay, ah non, toujours pas. Non, mais il faut rester calme. Allez, mon gars. Allez, mon gars, reste calme. C'est pas grave. Il va mourir un jour, tu vois. Il va pas te tuer avant, t'inquiète pas. Je te jure, il va pas te tuer avant. C'est moi qui te le dis. Il va pas te tuer avant. Oh putain. Oh, mais c'est. Allez, salut. Allez, ok. Tu voulais pas faire down tilt pour être sûr? Cette fois-ci, le tilt. Voilà, c'est pour ça que tu rames, mais là, voilà, quand on a une stock de retard, puisque Samus, voilà quoi. Une stock, tout on y trouve déjà son avantage. Ça mange trop bien. Bon, il se fait reverse quand même. Ça mange trop bien, attention, allez, on peut trouver une phase ici. On a réussi. Ça revient. C'est bien joué ça. Vraiment, Hazel qui s'est endormi, surtout pas, faut surtout pas s'endormir là. Ça revient, ça gratte bien quand même. Ça a bien gratté, mais tu vois, c'est Karoul, c'est pas grave, tu vois, la différence de pourcent, même si elle est un peu immense, tu vois, c'est pas grave, c'est Karoul. Il est super lourd. Ouais, c'est le deuxième perso le plus lourd du jeu. Ouais, tu vois. Bon, après là on est à 100%, on peut mourir d'un ledge trap là ici. Donc faudrait commencer à faire attention, mais voilà, comme il nous l'a montré, c'est bien, on trouve tout. En tech chase, il est vraiment chaud en tech chase. Ce boulet couvre tout. Il couvre tout et il est assez lent, donc c'est plutôt pas mal. Là on va se trouver un ledge trap, ça va être compliqué. On trouve la couronne, très bien joué. Du coup, on va éviter les bombinés. Les bombinés, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai jamais joué à Metroid. Donc voilà, et là, ouais, c'est pas grave, allez. Ah, ça, on va envoyer du mauvais côté quand même. Karoul qui est tellement lent, tu vois, que Samus a le temps de. Oh là là, ça pouvait être chaud. Ça pouvait être chaud, bien jouer le fer ici. Ah ouais, putain, ça passe à travers la couronne. Ah non. Hazel qui est déjà proche de la mort aussi, tous les deux. Faut pas stresser ici. Même à 74%, ouais, putain, la pro, même sans le freeze. Commentateur cringe, ouais, certes, soit ainsi soit-il. Ouais, c'est vrai, sale. C'est vrai, je m'en rends pas compte, c'est vrai. Attends, bah vas-y, du coup. Je m'en rends pas compte, c'est vrai. Et on a 1-0. Hop. Vas-y, je te laisse mettre les trucs des ça, casters. Moi, je trouve ça passe. T'as commentateur de la hype. Ouais, je suis plus ça. Les trucs constructifs et tout, parlez-moi pas de ça, tu vois. Je suis là, waouh. C'est tombé. C'est X-Screen. Ouais. Attends. Bah, du coup, on peut mettre les trucs des commentateurs aussi. C'est extrêmement. Merde. C'est extrêmement important. Ouais. Non. Je te laisse faire. C'est Nonoï. Ah merde. C'est pas grave, c'est pareil. Hop. Je suis déjà là. Je pense que je suis déjà là. C'est bon, frère, écrit. Le gars.
arrobase. Wesh. Et voilà. Ça y est, on est reparti. Ça recommence. Nous sommes repartis. Sur cette Winner Carter, c'est pour intégrer le top 8. Ah ok, je me tape le gagnant des deux là. Ok, ok, si tu veux. Ça va être un peu ouais. Cringe. Du coup, ils sont partis sur Lailat. Ça me surprend un peu. Genre, apparemment, c'est pas ouf. Ouais, ça attends, ça. Avec ça les pentes. 49. Putain, ouais. Non, il était déjà à 20%. Ouais. J'ai pas regardé. Non. Bref. Hein. Allez, si, allez, on a pris Lailat déjà, c'est un pic que je ne prendrai jamais contre Samus, puisque faut savoir que les bombes là, ouais. Bah en fait, si tu te mets là, bah elles glissent toutes seules en fait. Oui, okay. C'est vraiment trop de la merde. Ouais, mais justement, je le disais avant, mais le problème de Samus sur cette map, c'est qu'avec les pentes, ses projectiles marchent pas. Bon, ça, franchement, moi je trouve ça va, hein, tu vois. C'est pas ça va, tu vois. Si tu parles du side B, il l'utilise jamais, donc ça sert à rien le side B. Mais la charge shot, t'inquiète pas, qu'elle va toujours marcher, tu vois. Faut vraiment demander à Bitbull. Ouais. Ouais, et voilà déjà, oh, ok oui, les bombinets qui glissent, qui sautent. Ah ouais, qui glissent, c'est plutôt... C'est dur mais... Ah putain, Bilboul aussi, c'est tout. Ok ouais, c'est bizarre là, il a je pense. Ah c'est bizarre, on a attendu, dommage. Allez, on saute bombinet, on saute fer, allez. Et ouais. Putain, la dash attack est pas assez de portée. Heureusement ouais, la punish qui ne sera pas trouvée. Et là le compte, c'est dommage, j'ai failli toucher. Et là, ouais. ça va être compliqué. C'est quand même pas ouf de contrer, je pense. Hein. C'est dommage. Hit. En fait, une fois que tu sors du ledge trap contre Samus, ouais. Faut pas s'endormir par la suite, tu vois. Ah putain, okay. J'ai cru que c'était son 11 et j'ai cru que c'était son FD. L'animation est trompeuse. Donc elle peut drift. C'est vraiment des persos des enfers. Hein. Ah non, pour un Karoul, ça va, moi je trouve. Prendre Samus. Voilà quoi. Allez, on claque dans le. Allez, c'est mort ça. Ouais, bien joué. AZ qui a préféré mâcher ici. Samus, c'est lourd, on l'a vu avant, mais faut pas abuser quand même. Absolument. Allez, F-Tilt qui ne fera pas tomber ce Karoul car il est gros. Il est très gros, tu vois. Ouais, il est énorme. Il y a deux autres finales. Il vole qui est déjà à 100% quasiment. Bon, il s'en fout. Allez, ici on trouve un fer, on trouve deux fers. Encore un peut-être. C'est dommage qu'ils se prennent ce dernier hit à chaque fois. Devrait le shield et c'est bon genre. Ouais, là il a roll. C'est vraiment dommage. En fait, Samus elle a trop le temps de react en fait, avec ses projets et tout. Elle peut couvrir une large distance, tu vois. Ouais, là quand même il a évité le truc, c'est pas mal. Air dodge, ce serait la meilleure des. C'est pas la meilleure des trucs, pardon. Voilà, c'était. Je crois pas une air dodge. Enfin bref. C'est compliqué, mais ça va, on a deux stocks, mais on a. Bien joué, ça a connecté, putain. Bah si, ça a connecté, mais c'est parce qu'il y avait la couronne. Ah oui, ok. C'est de l'armor, tu vois. Oui. Du coup, ouais. Là, tu vois, pareil, tu vois. Le side B, il utilise beaucoup en désavantage, c'est super fort. Ouais, moi, je l'avais pas vu. C'est super fort, tu vois. Bon, certes, il se prend des pourcents, mais bon, c'est Karoul, là. Ça peut vivre. Et là, on a 189, il va falloir peut-être commencer à trouver des opportunités de kill ici, notamment des forwarders, voilà, qui marchent super bien, Tracer. On va pas se mentir, ça marche super bien. Et là, il a trouvé sa dash attack. Là, des deux côtés, il va clank là avec la boule. Oh, bien joué le counter ici. On va trouver 114% et là, ça va pas tuer, c'est toujours un peu loin. Ça va être compliqué. Il mange tout, mais il s'en fout. Ça va être compliqué. Ok, ça va. Franchement, il s'en est bien sorti là. Ouais. Il s'en est très bien sorti. Il est passé un peu en dessous avec la nappe. C'est peut-être pour ça qu'il l'a choisi. Hein. C'est super. Franchement, c'est ce qui nous fait la Bilboul. C'est super bien. Il est patient et c'est comme ça qu'il faut jouer contre Samus. Tu rentres dans sa Burst Range en fait et c'est là qu'elle va paniquer Samus. Tu vois. C'est là qu'il faut en profiter. Ouais. Mais là, on est en ledge trap. 213. Dahia Jezeir. Non. Pas de Dahia Jezeir. Pour l'instant c'est plutôt cool. Il a l'avantage, il a le lead. Je pense que c'est plutôt pratique contre Samus en vrai. Ouais, non, bien sûr. Du coup, t'as pas besoin de l'approcher. Dommage, le nerf titre là qui passe pas, il devrait faire jab, ça sort plus rapidement. On a 200, ça y est, on trouve ce grab ici. Tu te mets à distance de grab contre Samus.
si elle whiff, tu la baises. C'est comme ça que je te jure, frère. C'est frame 15. En fait, Samus, c'est un peu comme Sonic. Genre, pour tuer, c'est là qu'ils vont commencer à approcher bizarrement, tu vois. Donc, faut se mettre dans cette burst range et leur faire croire que ça y est, on est aggro alors que on veut juste les fumer. Bilbo qui a perdu le lead, il va plus pouvoir time out. Non. Et il se retrouve en last trap. T'as time out sur Lylat, c'est bien cringe quand même. Bah ouais, mais. C'est super cringe et là. Putain, tout connecte, hein, genre. Le gars, le Kame, il est derrière, mais tout connecte sur le shield. C'est. C'est trop triste. Il est énorme. Attention, on se lèche trap, ça va être. Ah, ça va. C'est Willis qui sauve la vie. Hein. Ouais, il touche en dessous. Il sauve la vie, c'est super cool. Et du coup, en vrai, je sais pas comment il peut faire. Il peut passer à gauche. En fait, faut pas laisser Samus charger sa charge shot. Faut y aller, c'est pas grave si tu prends le petit hit, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave, allez ici, allez, on couvre avec le boulet ici. Très bien joué. La couronne, attention, on a un boulet encore. On est en pick chase, faut se relever très vite, Samus est lent, faut pas le laisser faire. Ça va tuer. Ah oui, c'est vrai que c'est BO3 en plus. Ouais, c'est BO3. On n'est pas encore en top 8, donc. On dirait. Ouais, c'était dommage, mais ouais, c'est un match de top 8, je te le fais pas dire. Ouais. Mais ouais. Ah, du coup, en effet, Azed, il va aller dans le top 8 là. Pas d'erreur.